Elle a l'air vraiment chouette. Tu crois qu'on pourrait faire un tour avec? Oui, on va aller la chercher chez moi. Je ne comprends pas. Je l'avais garée ici. Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Attends, tu l'as laissée dehors toute la nuit? Je pensais qu'il n'y aurait pas de souci. Ben, la voiture n'était pas à toi. Et on doit toujours faire attention aux affaires des autres. Salut Greg, je peux reprendre ma voiture? Pas tout de suite, Cameron. En fait, c'est-à-dire qu'elle a disparu. Quoi? Tu l'as perdue? Non, je l'ai... Je veux dire, hier, je l'avais encore, mais... Non, mais j'en reviens pas. Tu as perdu ma voiture? Non, je ne l'ai pas perdue, elle a simplement disparu. Tu m'avais dit que tu en prendrais soin. Je ne te prêterai plus jamais aucun de mes jouets. Mais ce n'est pas de ma faute. Tu n'aurais peut-être pas dû la laisser dehors. Mais ce n'est pas juste que ça me retombe dessus. Il faut qu'on découvre qui a pu voler sa voiture. Et Cameron verra que j'y suis pour rien. D'accord, on s'en occupera ce soir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... devient... Glu Glu. Sacha devient... Yo-Yo. Les pyjamas. Bien, je n'aime pas du tout qu'on me fasse porter le chapeau. Alors retrouvons la voiture de Cameron. Il se passe quelque chose à l'aire de jeu. Allez, tout le monde à l'arrêt de kilomobile. On s'amuse bien, hein, les papis nuits. Maintenant, moi aussi j'ai un super bolide rien qu'à moi. Tout comme les pyjaminus. Attendez, c'est quoi ça? Ils ont pris leur escargot mobile pour voler ma voiture. Alors là, ils peuvent courir. Oh! Et les pyjalimas, attrapez-moi si vous le pouvez. Sorceline, c'est elle qui a pris la voiture de Cameron. Hein? Où est-ce qu'elle est passée? Allez, ne bougez pas le passage. Elle va avec ça. Elle nous a dépassé d'un tour. Oui, la reptilo mobile est trop lente. C'est ce qu'on verra quand je l'aurai attrapée. Je dois récupérer la voiture de Cameron. Glu Glu, attention! Tu viens de renverser un lampadaire. Mais je ne l'ai même pas fait exprès. C'est la faute de Sorceline si c'est arrivé. Et je vais l'arrêter pour l'empêcher de faire d'autres bêtises. Fais plus attention. Tout ça, c'est à cause de Sorceline. Et maintenant, elle a abîmé ma reptilo mobile. Avec mon yo-yo rapido, je vais aller récupérer le chabolide. Il sera assez rapide pour attraper Sorceline. Je reconnais le bruit du klaxon. Viens, suis-moi. Maintenant, on va s'amuser. Cette voiture appartient à Cameron. Elle n'est pas à toi, rends-la-moi. Pour ça, tu vas devoir m'attraper. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Glu Glu, tu ne veux pas que je conduise? T'as
t'inquiète pas, je maîtrise la situation. Approchez-vous. N'appuie pas sur n'importe quel bouton. Oh, c'était les boules de poils. Il me faut le super rugissement. Glu, s'il te plaît, ne touche plus à rien. Ha ha ha. Glu, je suis désolée. Tout ce que j'essaye de faire, c'est récupérer la voiture de Cameron. Voici, je vais enfin l'arrêter avec le super rugissement. Pardon. Mais c'était à cause de Sœur Céline. Donc en fait, tout est de sa faute. Ma nouvelle voiture vous plaît, les pigeonouilles? Elle est bien, hein? Tellement bien que je vais m'en servir pour détruire votre QG. Elle ne peut pas faire ça. Rassurez-moi. Bah si, je lui reprends la voiture. Il n'y a aucune chance qu'une petite voiture puisse faire des dégâts sur un énorme QG. Mais je peux rendre Glu-Glu tellement furieux qu'il se chargera de l'abîmer pour moi. Et c'est lui qui se fera disputer. Sœur Céline, plus un geste. C'est moi qui vais t'arrêter alors. Ah, je ne vois rien. Mais je vais t'arrêter quand même, Sœur Céline. Oh. Attention, Glu-Glu, tu as des méga muscles, n'oublie pas. Oui, je sais, mais c'était la faute de Sœur Céline, pas la mienne. Ça va, cuisse de grenouille, tu veux récupérer ta voiture? Alors viens la chercher. Mille reptiles, me voilà. Glu-Glu, tu as encore percuté le QG. Oh oh, on dirait que t'as réussi à me piéger. Son aérolune est sous la voiture. Tout de même pas que j'allais laisser mon aérolune à la maison, les argluants. Wow, Glu-Glu, mon collant. Oh non, le QG. C'est moi qui ai fait ça. Yo-yo, je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Viens bon, Bibou, j'arrive. Super rugissement. J'imagine que tu vas encore dire que c'est de ma faute, tête de tétard. Non, il faut que j'arrête de te rendre responsable de tout. Ce n'était pas de ta faute, c'était de la mienne. C'est l'heure d'être un vrai héros. Et les héros assument les conséquences de leurs actes. Et ils réparent leurs bêtises. Glu-Glu, méga muscle. C'est de ma faute si Sœur Céline a pris la voiture de Cameron. Je l'ai laissée dehors toute la nuit. Ça ne fait rien, Glu-Glu. On va t'aider à la récupérer. Je crois que je sais comment faire. Hein? Attrape-nous si tu peux. Hé, c'est à moi. Donne-nous la voiture et on te le rendra. Bon, d'accord. La prochaine fois, c'est moi qui gagnerai les pyjaminus. Glu-Glu, je vais
vais seulement faire une petite balade dans la voiture de Cameron vite fait, promis, d'accord? Merci. Cool, caméléon. Oh. Oups, mes méga muscles, c'est de ma faute. Je suis sûre qu'on doit pouvoir résoudre ça avant demain matin. Pyjamasque, on crie hourra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Ma voiture! Désolée, t'avais raison, c'est ma faute si elle avait disparu. Mais je l'ai retrouvée. Merci, Greg. Je m'excuse de m'être énervée hier. Mais qu'est-ce qui est arrivé au klaxon? Il a l'air différent. Je l'ai cassé. Et ça aussi, c'était de ma faute. Mais je l'ai remplacé par un tout nouveau. Je l'adore. Il est génial, Greg. Amaya, Sacha, regardez! Cameron s'est fait offrir une petite voiture à pédales et il me l'a prêtée hier pour que je puisse en faire à la maison. Bip, 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 bip! Elle a l'air vraiment chouette. Tu crois qu'on pourrait faire un tour avec? Oui, on va aller la chercher chez moi. Je ne comprends pas. Je l'avais garée ici. Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Attends, tu l'as laissée dehors toute la nuit? Je pensais qu'il y aurait pas de souci. Ben, la voiture n'était pas à toi et on doit toujours faire attention aux affaires des autres. Salut Greg, je peux reprendre ma voiture? Pas tout de suite, Cameron. En fait, c'est-à-dire qu'elle a disparu. Quoi? Tu l'as perdue? Non, je l'ai... Je veux dire, hier, je l'avais encore, mais... Non, mais j'en reviens pas. Tu as perdu ma voiture? Non, je ne l'ai pas perdue, elle a simplement disparu. Tu m'avais dit que tu en prendrais soin. Je ne te prêterai plus jamais aucun de mes jouets. Mais ce n'est pas de ma faute. Tu n'aurais peut-être pas dû la laisser dehors. Mais ce n'est pas juste que ça me retombe dessus. Il faut qu'on découvre qui a pu voler sa voiture. Et Cameron verra que j'y suis pour rien. D'accord, on s'en occupera ce soir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient...